Adrien Béguery, 29 ans, donc propriétaire sur la château de la Borderie à Montbazillac, en Périgord pour. La propriété de la Borderie va être située sur une partie qui est en flanc de coteau, donc, sur le point presque le plus culminant de Montbazillac, et une partie sur la plaine de vraiment la fin de Montbazillac, limitrophe à Bergerac, ça n'en est une. Voilà. Donc les sols, c'est argilo-calcaire pour la majorité. Sur là où nous nous trouvons, c'est plutôt l'argile blanche, l'argile un peu plus fine, c'est là qu'on sort vraiment les meilleurs jus. La vigne, on peut le voir, on peut le ressentir, j'essaie de travailler avec le moins d'intrants possible. Pas de désherbant, travail du sol mécanique, un rang sur deux. Voilà, on respecte la vigne, on respecte le vin, on respecte le produit. J'ai des produits que j'ai travaillé sur du bois, j'ai des produits que j'ai travaillé sans bois, j'ai des produits que j'ai travaillé vraiment sur le côté très aromatique, vraiment explosif, comme les blancs secs qui sont juste derrière. Voilà, c'est en fonction vraiment de l'état d'esprit aussi dans lequel on est à ce moment précis. On vit avec notre plantation, quoi. Les moelleux qu'on va refaire, ça va être des produits qui sont très aromatiques. On est sur une blase, sur un profil plutôt de blanc sec. Et on va le travailler comme un moelleux. C'est-à-dire que c'est des vins qui ne sont pas très alcooleux. On va être à 11,5 d'alcool. Par contre, on va garder des sucres résiduels avec un côté légèrement perlé pour donner vraiment de la fraîcheur et vraiment un côté très vif à un produit. Et le Bergerac rosé que nous faisons, donc ça va être des rosés qui sont très aromatiques, vraiment le côté fermentaire du produit. Pareil pour les Montbazillac, c'est vraiment le produit facile à boire, qui va très bien un peu partout et qu'on peut se réadapter sur certains repas. Et après, tout ce qui est rouge, donc le rouge, on va les retravailler sur deux profils différents. Un produit travaillé sur du bois, qui est un petit peu plus tannique, vraiment un peu plus charpenté, qui est amené à être gardé. Et le Bergerac, un peu plus classique, si je peux l'entendre comme ça. Vraiment sur le fruit, très facile à boire, vraiment passer un moment convivial. Je vous invite à venir découvrir mes produits au château La Borderie à Montbazillac. Vous pouvez aussi découvrir les produits que nous faisons dans les grandes distributions ou en café, hôtel, restaurant de la région, Dordogne et Aquitaine, et aussi sur le site de Terre des Saveurs du Crédit Agricole.